Et coucou, coucou, c'est le successeur de Disney. Pour On a rendez-vous au fanart à vous. Voilà. Concernant le concours. Le concours Prince Magie. Voilà, Prince Dina Magie. Beaucoup disent mais c'est très vaste et tout. Bah justement, c'est à vous de imaginer. Nous commençons donc par le dessin de Célia, qui avait gagné ton concours. Oui. C'est... Donc il ne gagnera pas. Techniquement, ça serait un peu bizarre de la faire gagner pour deux concours en plus qui étaient concours très proches. Ton dessin est très très joli. Hein. Ah ouais, j'aime beaucoup le fait que t'aies incrusté Merlin et Mickey, c'est super. Mais surtout d'un dessin incroyable. Mmh. Hein. Ça donne pas. Ils sont tellement réalistes et en même temps, on voit que ça. Enfin, je ne pense pas que tu l'aies directement recopié, quoi. C'est ça qui est incroyable. On dirait que tu as réinventé le dessin des personnages. Et les ombres et tout, comment beaucoup. C'est géré au crayon de couleur. C'est crayon de couleur, ouais. Très joli. Colline, alors tu nous as déjà fait des super beaux dessins et il faut dire que celui-là, dès que je l'ai vu, j'étais waouh. J'adore ce côté derrière le pentagramme, je sais pas comment on appelle ça, un peu du style. Moi ça me fait penser à Assassin's Creed plutôt. J'adore. C'est trop joli. C'est super joli. J'adore vraiment, vraiment super sympa, les couleurs encore super bien gérées et tout. Kirbou. Avec Gus Quel possédé. Donc nous avons donc Prince Dina, donc dans la façon de dessiner donc de Kirbou en forme de poney, toujours, je sais pas comment appeler ça. Toujours aussi joli. Hein. Toujours aussi joli avec des couleurs dignes d'artiste, hein, y a pas d'autre mot, hein, c'est un truc de fou. Il y a plein de détails. Magic Book. Ouais. Ici, c'est, vous pouvez les voir des, avec les petits trucs pour fermer Mickey. Il y a des diamants ou des. Enfin, ouais, des. Ouais, des petits trucs. C'est super joli. Le sceptre de Kingdom Hearts. Ici, dehors, on voit que c'est magique. Enfin, j'irai, donc comme je disais à Princesse, il est magnifique, sérieusement. Il y a un tout petit défaut pour moi, c'est juste le fait que ce soit écrit Prince Dina Magie. Parce que du coup, ça. C'est génial, Kirbou, hein, ne t'en veux pas. Mais du coup, c'est vrai que ça nous sort. Ça. Je sais pas comment le dire. C'est pas que ça sort de l'univers, c'est pas que ça machine, mais du coup, tu donnes le thème, en fait. Je sais pas, en fait. C'est un point faible sans en être un, parce que c'est super joli, ça montre bien, mais. J'aurais préféré qu'il n'y soit pas. Et que ça laisse un peu plus le. Voilà, peut-être plus de décor, plus de détails et tout. C'est le seul défaut pour moi. Hein. C'est quand même bien. Donc Justine nous a envoyé ce superbe dessin avec. Mais il est vraiment super joli. C'est joli hein. Aussi, hein. Regarde les détails et tout, mais comment. C'est Mufasa ou Simba? Comment ça a été fait ça au stylo? T'as vu la. C'est super bien foutu. Feutre peut-être. Mmh, c'est vachement joli avec le petit corbeau. Oui. Et Oubérine. non, c'est j'adore ce style de dessin que je verrais bien dans un livre, tu sais, de contes. Mm. Sans problème. En illustration d'un conte. Ouais. Bravo à toi. Donc lui, c'est un hors-série spécial, Princesse Magie. Donc Malo, qui nous a fait Princesse Magie, voilà. Donc Princesse et Simba contre Maléfique et son corbeau. Qui va gagner ? Bon, Simba préfère penser à manger. Ouais, donc je sais pas si on va gagner parce que je me sens seule. Mais toi, en tout cas, c'est sûr que t'as la classe hein, avec ta tenue fantastique. En mode Fantastic Tale, et tu dois te battre. Tu te fais une boule de protection magique avec ta flûte et tout. C'est sympa aussi. Vraiment, c'est une super bonne idée. Et t'as vu ton côté à toi, il est bien vert et là, c'est tout craquelé. Ah, c'est la mort. Ouais. Bravo à toi. Et tu l'as fait le 23. Pas le 23-4 quand même. Moi je vois 4. Moi aussi je vois 4, mais j'espère pas. J'espère plus que c'est 6 quand même. Prince dans le monde de. J'ai pas envie de dire de bêtises. On dirait que c'est marqué l'intermonde. Ouais. On dirait quelque chose. Et donc c'est Malo, donc celle qui a fait le dessin de toi. Ouais. Et qui a fait donc moi en génie sur des pics avec Astérix. Jafar et Yago. La goutte de Yago. C'est quoi ça? C'est une caméra. Sympa, t'as vu, d'avoir fusionné ma couronne avec une. Ah oui. Une un chapeau, je sais pas comment dire ça de. Jafar est vachement bien fait. Ouais. Je suis son génie. Mais qu'est-ce que fait Astérix ici? C'est les. Oui, pourquoi Astérix est dans le dessin? Enfin, je comprends pas. Je pense que c'est par rapport au fait qu'elle est marquée Intermonde. Ou désolé, mais on n'arrive pas à lire en haut. Ouais, on ne voit pas.
dans le monde 2 et on n'arrive pas à lire. Donc encore bravo Malo, c'est toi qui as fait, donc je crois que t'es la seule à avoir fait 2 dessins. Enfin j'espère que tu es une fille, hein, excuse-moi, mais Malo, peut-être Malory. Donc nous avons Agathe, ça doit être Agathe Plantier, je suppose, désolé si tu es une autre Agathe, mais dans les dessinatrices, je crois qu'on a que ça Agathe. Ça me fait penser à du Agathe. C'est très. Ça fait très viking. Ouais. Mais c'est les, sympa. Les couleurs sont très super sympas. Ouais. Et du coup, je me demande si ça faisait partie du concours Prince Magie, parce que je ne vois pas de magie. Oh, tu as une fourrure. Ah, donc j'espère que je ne vais pas écorcher ton nom. Anaïta. Anaïta, ouais. Peut-être ouais. Donc Anaïta ou Anaïta V, qui m'a fait avec des pouvoirs d'eau et des pouvoirs de glace. Avec une cape que j'étais piquée. Oui. Et j'ai tué ton lapin pour m'en faire une fourrure. Non, parce que mon lapin n'est pas marron. Je l'ai teint. T'as tué une belette. J'entends le loul de renard et la belette. Donc bravo à toi. C'est joli. Oh ah, c'est bien ça sur fond noir, sur feuille noire. Enolo. C'est Enolo qui nous a déjà fait des super dessins. Ouais. Et j'aime bien le fait qu'on nous représente avec les flûtes, tu vois, comme si c'était notre symbole en gros, tu vois, j'aime bien ça. J'aime beaucoup le. L'arc-en-ciel. Ouais. Ouais, c'est vraiment sympa. Ça fait bien magique pour le coup. Bravo à toi. Alors là, c'est très bizarre, on c'est dirait dark. Une capture d'écran, Prince Dina, mais c'est bizarre. Est-ce que tu l'as fait sur ordi et que tu as fait une capture d'écran parce que tu ne savais pas faire autrement? Parce que du coup, c'est hyper pixelisé. Ouais, quand tu te rapproches, c'est vrai. Le problème, c'est que j'ai pas l'impression de me reconnaître, en fait. Il y a pas de couronne, il y a pas de flûte, par exemple, tu vois. Donc c'est ça qui est dommage. Sinon, le thème magie est là. Hein. T'as le pouvoir du feu. Voilà. Le thème est là. Ouais, c'est vraiment magnifique. Hein. Jamais j'aurais pensé un jour qu'on m'aurait dessiné Lizzie. Comme ça. Bravo à toi, Lizzie. C'est assez incroyable. C'est super joli, ça. Ouais, c'est vraiment. C'est un phénix. Ça inspirerait presque un film, tu vois. C'est vraiment super, super joli. Bravo à toi. Super beau. Les détails, le réalisme, presque. Il manque un peu de barbe et ça aurait été parfait. Alors, Loulou, qui a fait donc Prince. J'adore tes yeux. Ouais. C'est trop mignon. Loulou, une grande fan du Premier Ordre, bien sûr. Magnifique. Ah, elle a même fait ma cape avec la petite capuche et tout. Oui. Hein, t'as vu le souci du détail. Prince Dina. Ah, tu t'es trompé. Petite fois. C'est avec un Y. Bon, c'est pas grave. T'as bien fait ma barbe. Bravo à toi, Manon G. Très jolie. Je suis en train de... Fabrique un petit truc, là. Je suis en train de... Je me concentre. Je veux ne rester pas devant moi. Oh. Alors lui, il est magnifique, ma chère. Oui, bravo Mokona. Le truc, quand je l'ai vu, il m'a sauté aux yeux, mais il est magnifique. Le seul truc qui m'a fait bizarre, pour te dire, c'est mon t-shirt. Parce que oui, je suis fan de Kingdom Hearts, et oui, j'ai un t-shirt qui ressemble à ça, mais du coup, ça m'a fait bizarre, mais en même temps, je trouve ça génial, parce que c'est mon foulard, c'est mon t-shirt, et en même temps, ben, je suis un peu maléfique, quoi, parce que j'ai, bah oui, j'ai les ses yeux, verts, j'ai... T'as le bâton. Ça, c'est quelqu'un qui me connaît très bien, et je te félicite, parce que ton dessin est vraiment... Classe. J'ai tout au crayon. Il est à la fois simple, mais magnifique, coloré, enfin, il est génial, quoi. Mm. Et puis, ça nous montre que t'es quelqu'un qui nous connaît. J'adore. Dina. Ça pourrait presque être un. Tu fais un mage là. Ça pourrait presque être un tableau. Sérieusement, je vois bien ça en tableau. Ce côté un peu, tu vois, un peu rare au niveau des pouvoirs qui sortent de mes mains. On dirait que ça n'a pas été peint ou avec une peinture blanche très. J'aime. Et puis dans les vêtements de Fantasia. Ouais. Et là, tu vois, là, c'est important que tu aies marqué Dina pour bien, parce que là, par exemple, on m'aurait pas forcément reconnu. Oui, c'est vrai. C'est pour ça, quelque part, peut-être que je suis méchant avec Kirbou, parce que c'est vrai que moi je me reconnais parce que je sais comment elle nous dessine, donc je sais pas. T'en fais pas, Kirbou, c'est magnifique ce que tu as fait. Donc bravo à toi aussi. Ah, d'ailleurs, on n'avait pas dit ton nom. Noélan ou Noélan, je sais pas comment ça se prononce. Donc voilà, très joli, et crois-moi, ça, tu le vendrais en tableau, je te l'achèterais. Hein. Alors c'est très joli, fait par Wendy, qui sait que je suis fan de Kingdom Hearts, qui m'a fait devant donc la grande porte. Kingdom Hearts, tout simplement, enfin dans le 1, c'est comme ça qu'il l'appelle. Ouais, bah c'est un peu ce style là qu'il y a, et très très joli. Je sais pas comment tu as fait, t'as dû dessiner, il scannait et il colorait avec un logiciel, je pense, mais c'est marrant, comme s'il n'y avait pas de contour. Ouais, en fait, ouais. Et ça aussi en tableau, ça rendrait c'est joli comme effet que ça rend. J'adore, ouais. Vraiment bravo à toi, Wendy.
Et voilà. Et ben, dites-nous quel a été votre préféré dans nos chers abonnés qui dessinent, mais d'une façon, c'est incroyable. Ouais, non, franchement, vous avez tous beaucoup de talent. On a honte d'avoir, enfin, je sais pas comment dire ça, mais on a honte parce qu'on mérite pas tout ça. De se voir dessiner, en fait, c'est énorme. Enfin, voilà. Et en plus, c'est beau. C'est tout magnifique. Donc, c'est... Merci beaucoup à vous. Beaucoup. Et désolé, je n'ai pas choisi le gagnant. Vous allez me tuer. Bon, quand vous verrez cette vidéo, normalement oui, mais c'est trop difficile. Donc pour moi, dites-le vous, vous savez qui est le gagnant à l'heure de cette vidéo, mais vous êtes tous gagnants. Je peux pas, c'est trop difficile, même princesse. Moi j'ai eu du mal à choisir aussi pour moi. Ouais. Allez. Parce que j'avais des très beaux dessins aussi. Et... Ouais, c'est vrai que t'as eu du mal, je me rappelle. Elle était sur mon téléphone parce que c'était à l'époque on n'avait pas le temps de trop tourner. Ouais. Elle était, oh, c'est dur. Je sais pas lequel. Donc merci encore à vous et à bientôt pour un prochain concours. Salut.